Bon, je savais que c'était compliqué, mais là, en plus j'arrive plus à allumer le machin. Alors si je fais des cadres, il faut que ça rentre en 39,5. 39, c'est 39. Les cadres de 39. Bon, c'est un peu vers broc ça, mais allez, allez. J'ai mis mes barrettes. Hein. Cette saison-là, dites-vous, parce que les nuits commencent à être fraîches. Alors j'ai bricolé ça, c'est un truc que j'ai recoupé pour que ça aille à Claire. Voilà, Claire Ruchette. Enfin la Ruchette. Hop là. Pareil hier soir. Pour que... Ben voilà, ça fait cap ça. Hein. Donc c'est une barrette que j'ai coupée à la dimension sur un bout de bois par rapport pour qu'il rentre dans le nourrisseur. Dans le... Ah, je fatigue. Dans le plancher. Bon allez. On vient de voir un bourdon sortir là. Bon, il ouais, faut qu'elle s'habitue, mais elles veulent toujours rentrer par le petit trou. Hein. Ça bouscule, ça rentre, ça rentre. Là, ici, au bout de mon tournevis, là. Regardez, qu'est-ce que ça rentre. Tout le monde, les bourdons, une tarmine, les butineuses, il y en a une qui l'ont. Oh, elle dit oui, moi je viens. Super. Donc il est à peu près 11h. Oui. Donc j'ai acheté les charnières là pour essayer de bloquer tout ça. Voilà. Ouais. Voilà, ils sont calmes, mais bon, quand même. On peut s'énerver un peu tout à l'heure. Allez, hop. On va se mettre là, on va se mettre au milieu. Là. Ici. Comme ça.
Ah ouais, viens me voir. Hein. Allez. Si. Beaucoup moins de frelons là pour l'instant, j'en ai vu trois, j'ai tué trois. Voilà. Voilà. Du calme. Allez. Les trois parties sans rien démonter sont fixées. On va voir de l'autre côté, des deux côtés évidemment. Donc une fixation au plancher Nico, bien par terre. Les deux, je pense que c'est des petites hausses qui ont dû être faites, qui ont été mises dans l'autre sens, en bref. Fixer les trois éléments pour cet hiver, comme ça elle va être en sécurité quoi. Et puis surtout elle est plus les pieds dans la boue hein. Allez.